Vendredi 10 février, la vie de Pierre Palmade a complètement basculé au même titre que celle de trois autres personnes. Tous ont été pris dans un accident de la route, alors que l'humoriste conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Les trois autres individus circulaient à bord d'un second véhicule et ont été blessés. Parmi eux, une jeune femme enceinte qui a perdu son bébé et un petit garçon de 6 ans toujours hospitalisé. Aujourd'hui mis en examen pour blessure et homicide involontaire, l'acteur de 54 ans a pu compter sur le soutien de Muriel Robin à son chevet lors de son hospitalisation, mais c'est un autre de ses proches qui sort aujourd'hui du silence. 10 jours après l'accident qui a eu lieu sur une route de campagne en Seine-et-Marne, Patrick Adler, humoriste et ami de Pierre Palmade, a décidé de prendre la parole sur son compte Facebook, ce lundi 20 février. Il est toujours passé au travers des mailles du filet, n'a eu que quelques petites condamnations et a délibérément pris le volant après avoir absorbé cocaïne et autres substances dangereuses, a écrit Patrick Adler en faisant le constat de la situation. Après avoir eu un mot pour les blessés, l'humoriste a dressé le bilan de son amitié avec Pierre Palmade évoquant ses anciens démons. Franc avec son auditoire, l'humoriste a aussi évoqué l'avenir du comédien, en dépit d'une manière de clémence fort intelligente du juge qui l'envoie en soins intensifs en hôpital avec la contrainte du bracelet électronique. Pierre, même soigné, même guéri, ne se remettra pas de ce coup de volant. Sans détour, Patrick Adler s'est confié sur la descente aux enfers de Pierre Palmade pour laquelle il éprouve de la compassion mais aussi de la colère. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie à la différence d'anciens amants, je n'ai rien à vendre. Si Patrick Adler fait partie des rares personnalités à prendre la parole concernant Pierre Palmade, l'humoriste a voulu faire passer un message à ceux qui se sont exprimés dans les médias ces derniers jours, à la différence d'anciens amants de Pierre qui, comme par magie, dès lors que des micros et des caméras se tendent, cherchent à prendre la lumière, je n'ai rien à vendre, personne à défendre. Visiblement excédé par la situation, Patrick Adler souhaitait visiblement faire passer un message. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.